Radio MNE è la migliore radio di tutta Mulhouse. Anche dall'Italia vorremmo ascoltare Radio MNE e invece no, abbiamo Rossella, pazienza. C'est bien le Wunderparlement en direct du Parlement européen de Strasbourg. Mondialisation, nouvelles technologies, réseaux sociaux, smart tableaux et iPad à l'école. Les systèmes éducatifs semblent presque dépassés par les événements. Et l'Union européenne s'est penchée sur la question de la modernisation de l'éducation pour, je cite, « augmenter la valeur du capital humain ». Alors on va essayer de comprendre avec notre invité Robert Rochefort. Bonjour. Bonjour. Et puis avec Mathilde. Salut Mathilde. Re-salut. Re-salut. Bonjour Robert Rochefort, bienvenue. Bonjour. Vous êtes eurodéputé du groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Vous êtes membre de la commission de l'emploi et des affaires sociales et membre de la commission de la culture et de l'éducation. C'est ça. Cette semaine, le Parlement européen a adopté un rapport sur la modernisation de l'enseignement dans l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer rapidement quelles sont les grandes lignes de cette modernisation de l'enseignement dont on parle ? D'abord, ça part d'un paradoxe. L'Europe a un taux de chômage anormalement élevé pour les jeunes, en particulier dans les pays d'Europe du Sud, Italie, Espagne, Grèce, mais en France, c'est pas terrible non plus. Et pourtant, il y a toute une économie nouvelle qui émerge. Il y a énormément de secteurs dans lesquels il n'y a pas la main-d'œuvre qu'il faudrait, notamment dans tout le secteur du numérique, tout ce qui explose aujourd'hui. Ben, il faut faire quelque chose. Et la Commission européenne, puisque c'est la Commission européenne qui est à l'initiative de ce travail, nous avons voté, amendé et reconstruit un texte qui d'abord a été présenté par la Commission européenne. La Commission européenne finalement regarde ce qui se passe et elle dit quoi ? Elle dit les systèmes d'enseignement dans les différents pays européens, ils sont très disparates, ils sont très inégaux, ils ne sont pas coordonnés entre eux. Il est temps de faire quelque chose pour que ça marche mieux. Et donc c'est ça l'idée de base. Alors après, ça se décline de différentes façons. Par exemple, la Commission européenne, dans un premier temps, ne s'était intéressée qu'au champ universitaire. Et le Parlement européen a décidé d'élargir et a considéré que l'enseignement, pour traiter de l'universitaire, il fallait aussi traiter de ce qui était avant, y compris l'accueil de la petite enfance, y compris l'apprentissage de ce qu'on appelle les fondamentaux, avant d'en arriver à la question du numérique. Et puis évidemment, vous seriez déçus si je ne vous disais pas que ça s'inscrit aussi dans l'idée d'interconnecter les systèmes de formation entre les différents pays, notamment sur le plan universitaire. Et vous savez que nous, les députés européens, on a du mal souvent à avoir la population qui reconnaisse notre travail, quel sentiment que nous avançons pour eux. Mais il y a un sujet sur lequel on est toujours félicité. Il n'y en a en fait pas beaucoup. Il y en a un qui arrive avant les autres, c'est Erasmus. Erasmus+, en particulier. Et donc, il y a évidemment, ça s'inscrit aussi dans ce qui s'appelle le doublement prévu du projet Erasmus dans le prochain cadre financier pluriannuel qui va couvrir les 7 années qui vont avoir lieu à partir de 2020. Donc, vous voyez, c'est tout ça. Donc, c'est beaucoup de choses, mais ce n'est pas simplement un arbre de Noël avec des boules qui brillent partout. C'est aussi quelque chose, je crois, d'assez cohérent et d'indispensable. Dans les grands axes abordés, on trouve en premier l'espace éducatif, comme c'est nommé dans le rapport, qui serait donc l'alliance du lieu d'apprentissage traditionnel avec les technologies modernes. Concrètement, à quoi vont ressembler nos salles de classe ? C'est sûr qu'on sait bien que ça va être du numérique. On sait bien qu'on va dans une interconnexion et qui va être d'autant plus intéressante que les différents systèmes de formation des pays seront eux-mêmes proches les uns des autres. Si on rêve, c'est drôle parce que vous me parlez technique et moi j'ai plutôt envie de vous parler d'abord rapprochement des personnes. C'est-à-dire qu'on rêve par exemple au fait que vous puissiez demain pas simplement aller faire un semestre dans une autre université ou bien quand vous êtes au lycée d'aller faire également une demi-année ou une année dans un autre établissement, mais que vous puissiez avoir des cours, par exemple pourquoi pas en combinant le numérique et l'humain. Pourquoi pas avoir demain des cursus dans lesquels vous aurez une partie des cours qui seront dans une université localisée, par exemple en France, une autre partie dans une université localisée en Italie, et puis des cours qui seront totalement numériques et délocalisés entre les deux. C'est ça un petit peu le rêve dans lequel on est. Et alors, avec l'idée de le connecter avec les deux autres termes que sont la recherche et l'entreprise, c'est-à-dire l'enseignement, la recherche et l'entreprise. Les trois pôles ensemble. Donc vous me demandez de rêver. C'est plus pour moi, c'est même plus pour mes enfants, c'est pour mes petits-enfants, mais c'est à ça que je rêve.
Mais dans une génération pour laquelle l'addiction aux écrans pose des problèmes de santé publique et de développement de l'enfant, est-ce que c'est vraiment une solution que d'introduire plus de numérique dans leur vie ? Oui. Oui, parce que si vous avez lu attentivement notre texte, qui est un peu long, je vous l'accorde, il y a, je crois, à peu près 170 articles, donc c'est un peu long. Il y a, et c'est la première fois quasiment que je le vois comme ça, il y a l'enseignement critique à l'égard des médias, à l'égard de l'image, à l'égard justement du numérique. C'est-à-dire que vous auriez raison de me dire que nous étions... serions à côté de la plaque si je vous disais uniquement usage du numérique comme ça, comme on fait de la bicyclette ou du vélo dans les rues de Strasbourg, parfois sur les trottoirs. Non, c'est apprentissage et apprentissage de la critique par rapport au système. Donc il faut avoir une vision qui est une vision critique. Par exemple, on insiste dans ce texte sur les questions du rapport à l'image. Parce que dans les nouvelles technologies, il y a beaucoup la question du rapport à l'image. Moi, j'ai été formé avec quelque chose qui était le rapport à l'écrit. Finalement, on me disait de lire les classiques, et puis voilà. Et maintenant, on est dans le rapport à l'image. Mais quand j'ai été formé à l'écrit, eh bien, on m'a toujours quand même apporté un appareil critique par rapport à l'écrit que je lisais. Eh bien, il s'agit d'apporter le même appareil critique à l'égard de l'image et à l'égard du numérique. Et si on le fait, à ce moment-là, le numérique, ce n'est pas quelque chose qui va nous absorber. Si on ne le fait pas, par contre, c'est dangereux. Vous auriez raison dans ces cas-là. Et vous parlez d'éducation justement aux médias et à l'image. Alors, ça arrive en France, hein, ça arrive depuis longtemps de la part des associations, ça arrive maintenant dans le service public aussi, l'éducation aux médias. Pour l'Union européenne, c'est quoi l'image de l'éducation aux médias ? Ce serait quoi la ligne, les lignes directrices, s'il y en a une ou deux dans l'éducation aux médias ? Si on devait dire... Et si on essaye de plonger ça dans l'ensemble de ce sur quoi réfléchit et travaille l'Union européenne, on pourrait dire que c'est pas sans rapport avec l'usage, par exemple, des médias sociaux. C'est pas sans rapport avec la question de la sécurité des données, du droit à ces données personnelles, qu'elles soient utilisées n'importe comment. C'est la même chose. C'est ce qu'on pourrait appeler une nouvelle citoyenneté, qui soit une citoyenneté numérique et inclusive. Parce que, vous le savez, malgré tout... quand on vit une révolution technologique comme celle que l'on vit actuellement, on a énormément de pans de la population qui ne sont pas automatiquement intégrés. Donc c'est aussi pour cela que dans ce sens schéma, nous voulons quelque chose qui soit extrêmement inclusif. C'est-à-dire qu'il ne laisse personne sur le côté de la route et qu'il ne soit pas discriminant. Parce que ça peut être effectivement extrêmement discriminant. L'enseignant est aussi décrit comme le garant de la qualité de l'enseignement. Oui. Et dans ce contexte, est-ce que les professeurs ont été concertés quant à l'introduction des nouvelles technologies ou la mise en place de nouveaux espaces éducatifs dans leur... Honnêtement, c'est un sujet sur lequel il y a énormément de retard. C'est-à-dire que dans notre texte, nous disons que la clé de voûte, c'est l'enseignant. Mais si vous lisez bien, vous voyez que nous disons aussi, il n'y a pas que l'enseignant. Il y a aussi, par exemple, le milieu familial. C'est-à-dire que l'éducation, c'est une coproduction. C'est une coproduction de professionnels que sont les enseignants, de gens de l'unité de vie dans laquelle on est, par exemple les parents, la famille dans laquelle on vit, de la société et de la personne elle-même. Donc c'est un ensemble de coproductions. Et effectivement, l'enseignant est tout à fait au cœur de cela. Mais quand vous regardez aujourd'hui, vous voyez bien que, assez étrangement, l'enseignant, bien sûr qu'il se... Il s'auto-forme tout au long de la vie, mais il s'auto-forme un peu en silo. C'est-à-dire que l'enseignant, il a appris, je dirais, bon, au moment de ses études supérieures et ses premières années, il a eu une façon d'apprendre qui, grosso modo, va, on va dire, peut-être de 22 à 26 ou à 27 ans. Et puis ensuite, il actualise ses savoirs. Mais il n'a pas facilement aujourd'hui la possibilité d'ouvrir grand les fenêtres et d'ouvrir grand les portes parce qu'il est un peu prisonnier d'un schéma. Donc, prenons un exemple simple. L'enseignant, il faudrait par exemple qu'il fasse aussi de l'Erasmus+, ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il aille voir comment les enseignants dans les autres pays de l'Union européenne travaillent et le font. Aujourd'hui, ça existe, mais c'est très peu pratiqué. Souvent, les enseignants qui voient ce qui se passe, c'est parce qu'ils accompagnent un groupe d'élèves qui va ailleurs. Donc, l'enseignant, nous considérons qu'il faut lui faire confiance, que c'est, comment dire, qu'il faut qu'il ait une très grande liberté dans sa capacité, comment dire, de s'exprimer par rapport à ses élèves et par rapport aux étudiants, si on est dans le supérieur. Mais il y a un effort de modernisation absolument considérable. Si on ne fait pas attention, parce que l'enseignant peut toujours
il y a une communauté éducative, mais il peut toujours être un peu tout seul. Et entre l'enseignant qui démarre à 26 ans ou à 27 ans et l'enseignant à 65 ans qui est dans certains pays au moment où il va partir à la retraite, bah, s'il n'y a pas tout un travail, vous vous rendez bien compte qu'il peut y avoir un décrochage. Dans le rapport, on parle finalement peu de la jeunesse et des apprenants en termes. Vous trouvez ? Dans ce que j'ai lu, j'ai été choquée par les termes utilisés en fait, tels que source de compétitivité, ressources économiques, prospérité pour les citoyens. On parle aussi des apprenants comme capital humain. Est-ce qu'on considère les élèves un peu comme des futurs produits de la société quelque part ? Est-ce que l'objectif de l'éducation, c'est d'apporter de la valeur économique à l'Union européenne ? Je ne sais pas quelle est votre formation initiale. La mienne, c'est d'être économiste. Et étant économiste, les termes que vous avez utilisés ne me choquent pas. Par exemple, on parle de capital humain pour parler effectivement des travailleurs dans les entreprises en général comme étant un peu le symétrique du capital physique ou du capital financier. Donc vous voyez, je ne suis pas choqué de la même façon que vous l'êtes. Peut-être vous êtes d'une formation beaucoup plus philosophique ou littéraire, je ne sais pas. Ce n'est pas le sujet. Disons qu'on pense à nos auditeurs dans ce cas-là qui ne sont pas des économistes et qui ne sont pas spécialistes de la politique. Mais en tout cas, ils savent, vos auditeurs, ils savent que ils savent que aujourd'hui le pari éducatif doit se faire dans une connexion à la réalité économique, à l'emploi. La première réponse que je vous ai fournie au début de notre entretien, c'était justement de vous dire qu'il y avait énormément de jeunes parfaitement formés qui ne trouvent pas de travail, et il y avait en même temps beaucoup de postes de travail qui ne trouvaient personne pour étant formés pour les occuper. Donc c'est pour ça qu'il y a, et je l'assume pleinement, dans ce texte, l'idée... Parce que, par exemple, dans ce texte, il y a énormément de choses sur la formation humaniste, sur la formation citoyenne, ces choses comme ça. Et il y a en parallèle... vous êtes... je vous assure, par rapport au texte européen, même par rapport au texte du Parlement... Je trouve qu'il est équilibré par rapport à ça. Mais effectivement, il n'oublie pas... Oui, attendez, non seulement c'est le jargon, mais vous savez que c'est des traductions de traductions de traductions. Donc vous savez que là, vous avez lu un texte en français, mais que l'essentiel du travail ne s'est pas fait en français. Donc après, il y a énormément de logique de jargon. Et pourtant, croyez-moi, j'ai vu des textes beaucoup plus illisibles que celui-là. Je pense que celui-là aurait gagné à être un peu plus concis. Mais moi, j'assume en tout cas le fait que l'on essaye de concilier une formation humaine, une formation valeur, une formation à l'esprit critique. Je vous garantis que c'est quand même très fort dans le texte. Et en même temps, une logique qui consiste à être, les jeunes, ils ont quand même envie d'avoir un boulot à la fin de leur formation. Il faut en tenir compte. Merci Robert Rochefort, eurodéputé pour les groupes ALDE.